à m'asseoir sur un banc avec un prophète. Regardez jouer une dernière fois. Te parler de sa victoire à RG 2009 en pensant à ses 20 GC. Puis insulter les pro-Nadal, voir banniper Rafael Gray. Puis les entendre dire que c'est un serbot qui sait rien faire d'autre que servir. Te raconter un peu son premier GC, Wim 2003. Car il allait provoquer des arrêts cardiaques. Les prophèdes. Marcher sous la pluie avec Dodger, te parler uniquement de Fed. Te raconter l'OA 2017, te parler de RG un petit peu. Et parler de 2008 pour les faire rager, empêcher de m'assassiner. Et entendre Nadal, comme on entend Rocco, s'arrêter et repartir en arrière. Te raconter surtout ses GC, ses records. Et Malaika qui fait bander les prophètes à recherche de nudes. Et les prophètes. Un soir sur un banc avec Orkin, regardez Fed qui s'en va. Parler de ses enfants qui vont le faire partir, te dire que le méchant c'est pas Rafa. Que s'il est barge, ce n'est que de ses yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre sa voix qui dépasse mon poster, qui m'embrasse avant d'aller dormir. Te raconter enfin qu'il faut aimer le tennis et aimer même si Federer part et emporte avec lui la joie des enfants. Et les prophètes. Et les prophètes. De toute façon, le Goat, c'est Isner.